S'il neige encore un peu sur les monts et les hauts plateaux cantaliens, une chute de neige semble devenir un phénomène de plus en plus insolite dans le bassin d'Aurillac. Serait-ce dû au réchauffement de l'atmosphère? Enfin, aujourd'hui, elle est au rendez-vous. Nous sommes entrés dans un impressionnant monde du silence, tandis qu'une étrange floraison transfigure les arbres des parcs publics. Paysages irréels. Un chasse-neige dans les rues d'Aurillac, avouez que ce n'est pas banal. Voici venu le temps où tout citadin se transforme en agent municipal pour peu qu'il dispose d'une pelle, d'un balai et d'un brin de courage. De jeux enfantins, de la luge et des bons hommes de neige. Des petits et des grands pour les fêtes de Noël. Le choix
choix d'un sapin est affaire trop sérieuse pour le confier aux grandes personnes. En attendant la dinde et ses marrons, allons-en déguster quelques-uns. Et voici les illuminations nocturnes, comme pour illustrer les paroles du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Célébrer l'enfant divin dans le beau centre paroissial de Sainte Bernadette des Alouettes. Le père Marcel Druot nous y accueille. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Que la paix et la lumière de Noël envahissent nos cœurs. Oui, paix et lumière de Noël autour d'un berceau, pas tout à fait comme les autres, près d'un enfant qui manifeste si bien la présence parmi nous de notre Dieu et Père, dont la seule puissance est celle de l'amour. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie.
Noël se célèbre aussi dans l'intimité familiale. Demain, chacun offrira des vœux de bonne année à son entourage. Et maintenant, en route pour le Lioran, au pays de l'or blanc. Aujourd'hui, la neige est merveilleuse dans le grand soleil hivernal. Voici au paradis des enfants, dans le site de Font d'Alagnon. Que les adultes, accueillis par un peloton de montagne des gendarmes de Murat, hantent de préférence la station principale, équipée de façon moderne grâce à l'intervention d'un enfant du pays devenu président de la République, Georges Pompidou. Super-Lioran n'a rien à envier aux stations les plus en vogue, aussi y vient-on de fort loin.